voulions être sacrés sur le terrain. Coronavirus, la proposition de la FIFA pour les remplacements et ce joueur supérieur à Messi et Ronaldo pour Mourinho, et bien là, t'as semblé que c'est Ronaldo, Luis Nazario de Lima. Et Varane ne veut pas d'un calendrier surchargé. Les anciens joueurs ne soutiendront pas Didier Drogba pour la présidence de la FIFA. Pareil au même qui n'est pas belle dans la main Didier Drogba. Alors pas oublier ou même qui besoin live, garder émission live, ou capable monter sous page Facebook Radio 1 et taper non Radio 1 et puis sortant ya vraiment toute bagaille à OK. What's on dit destiné comment bagaille yo? Bonne nouvelle mais à moment qu'on a ça, ou annoncer mon bonne nouvelle Watson, mais pas un problème non. Et mes amis, il y a mon c'est foi à faire dans moment, c'est pas santé nous qui fin trop en forme tout. Et pour un médicament ou attends amis, mais puis penser que bon Dieu lui-même il déjà connaît ça l'a fait. On va démarrer avec InfoYo, la proposition de la FIFA pour les remplacements. Coronavirus dans lui-même lui obligé à permettre que dirigeants footballeurs pensent autrement comment on va faire les choses ou bien comment on va refaire les choses. Et bien là, cette proposition de Gianni Infantino, le numéro 1 de la FIFA ou le patron de la Fédération Internationale la Football Association. Mais là, monsieur a lui-même lui dit, lui proposer une solution pour capable favoriser le fait que championnat yo même yo suspend et les autres yo pas arrivé à terme alors que majorité championnat yo campé depuis quasiment 2 mois du fait que pandémie coronavirus là, FIFA lui soumettre une proposition afin de permettre aux différentes ligues nationales de terminer la saison. Instance là lié mettre désir pour le faire évoluer nombre remplacement yo et ben yo voulait passer de 3 à 5 changements dans un match football. Très bonne idée puisque l'offre fait tout le temps ça non confinement ou même qui était frappé tout par COVID-19 là ou pas jouer 3-4 matchs ou bien 3 matchs par semaine et ben là l'a demandé quand même. Et ou pas capable de prendre nous, mais j'en te supposé, l'étape importante pour ta gagner, yon quatrième, yon cinquième changement. Mais là, l'organe de règlement du football IFAB devrait approuver la décision. Ensuite, organisateur compétition, ou pas le décider. Chaque équipe capable désormais gagner possibilité pour l'utiliser jusqu'à 5 remplacements pendant match là, avec possibilité d'un remplacement supplémentaire qui était pendant la prolongation, le cas échéant, indique le communiqué de la FIFA. Elle ajoute que ces 5 remplacements devraient être effectués en 3 fois au maximum afin de limiter les interruptions de jeu. On est pour caractère monsieur ça pour dasli et pour paroxymie façon qu'elle parlait gien moun ki remel gien moun ki pa remel que José Mourinho c'est un nan Shelbeck qui gagne comme coach et monsieur ça il toujours a venir avec un pile bagage au cas spécial one et au cas spécial two three four again et la main spécial one nan li pa l'autre que José Mourinho. Et ben là, yo ta invité monsieur pour venir trancher sur identité meilleur joueur et de l'histoire. Et ben là monsieur ça, li pa opté ni pour Lionel Messi ni pour compatriote li Cristiano Ronaldo. Mais là en pile mon choisi quand yo et gen c'est Messi, gen l'autre c'est Cristiano Ronaldo, DG en football moderne. Par exemple, récemment, Kaká a affiché préférence li pour premier yon. José Mourinho, actuel entraîneur Tottenham,
li entraîné Cristiano dans Real Madrid et li affronte non pas quelques fois Lionel Messi dans carrière li, li estimé et qu'il avait été rendu meilleur par là pour le gars dans son métier. Non dialogue sur live score, mais là yo sont des messieurs pour connait et qui est-ce qui meilleur joueur dans histoire football là pour lui. Mais là monsieur dit un talent pur incomparable selon José Mourinho. Le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c'est un autre. Nous avons dit Ronaldo, est phénoménal. Cristiano Ronaldo et Messi, ils ont une carrière bien plus longue et ils ont été au top niveau pendant 15 ans. Mais s'ils n'ont pas le strictement de talent et de capacité, pièce pour ne pas supérieur aux Brésiliens. Et bien là, Mourinho lui-même a opté pour ce monsieur qu'on appelle Luis Nazario de Lima. Quand j'étais à Barcelone avec Bobby Robson en tant qu'adjoint, et j'ai réalisé qu'il était le meilleur joueur que j'ai jamais vu de ma vie, les blessures ont tué sa carrière, qui aurait pu être encore plus incroyable. Mais talent joueur 19 ans et exceptionnel a indiqué José Mourinho lui-même, qui parlait par quatre chemins, li bay préférence li à SRR9. Cristiano qui était en quarantaine déjà dans pays Portugal, il pral obligé tourner en quarantaine puisque Cristiano Ronaldo qui capable en Italie très bientôt, championnat yo gen championnat entraînement qui est annoncé 4 mai k'ap vin là en Italie, en pile l'autre côté en Allemagne c'est 9 mai yo meté pour championnat reprendre. Cristiano Ronaldo capable de rentrer demain mardi dans le Piémont en vue d'une reprise prochaine de l'entraînement avec Juve. Star portugaise là traverse actuellement confinement dans l'île natale Limader. Il y a un refuge qu'elle était convié pour être acquitté par son club de la Juve pour te reprendre entraînement. Cristiano Ronaldo l'a convoqué en compagnie de l'ensemble de ses coéquipiers pour un retour collectif à Turin prévu ce mardi. En tout cas, selon information média portugais Record, journal lusitanien li précisé que CR7 capable d'attendre le dernier moment et prolonger le plaisir en famille. Dirigeant Jovio ne devrait pas trouver à y redire, sachant n'y a pas de date fixée pour la reprise du championnat, mais pour rappel, joueur série A yo ta autorisé pour reprendre entraînement individuel à partir du 4 mai, comme l'a indiqué le premier ministre italien Giuseppe Conte en conférence de presse hier dimanche là. On garde un paquet de joueurs que Pep Guardiola lui-même livan et l'LT entraîneur et Pep Guardiola yon nan meilleur entraîneur monde lan, mais même le coach catalan n'a pas à l'abri de faire quelques erreurs et nous pral ban nou yon 11 ans meilleur joueur que Pep Guardiola lui-même li et choisi li te choisi van. Pep Guardiola toujours partisan du collectif devant ça ou les individualités yon. Et bien là comme yo ta montré nous dans 11 que monsieur organisé a yon 11-3-5-2. Numéro 1 c'est Pepe Reina. Après que monsieur a fini passé 9 ans à Liverpool, Reina rejoint Bayern Munich en 2014 et a principalement servi de remplaçant à Manuel Neuer, gardien de but là. Il était seulement fait 3 apparitions sous Guardiola avant que t'a pas signé pour Napoli en 2015. On garde numéro 2 c'est Pablo Zabaleta défenseur. Ayer droit, il remporté tous les honneurs nationaux lors de son séjour de 9 ans à Manchester City, s'établissant comme un héros du club. Mais Guardiola t'a pas remplacé monsieur par un Kyle Walker plus jeune depuis les Kyle Walker arrivant, yo mettait Pablo Zabaleta d'ailleurs. Et numéro 3 toujours défenseur c'est Dante. Dante était un élément clé Bayern Munich sous Jupp Heynckes d'époque 2012-2013, mais il a joué une opportunité pour jouer en équipe première plus difficile à trouver sous Guardiola. Ailleurs central là, il a passé 2 ans sous autre espagnol là avant qu'il t'a rejoindre Wolfsburg en 2015.
Numéro 4, c'est Maxwell. Maxwell rejoint Barcelone en provenance de l'Inter Milan en 2009. Et il fait 89 apparitions au cours de ses 2 ans et demi au Cagnon. Ailier gauche lente, après transféré dans Paris Saint-Germain en janvier 2012, il remportait une myriade d'honneurs pour devenir l'un des joueurs les plus décorés de l'histoire. Milieu défensif Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger est passé par l'Académie du Bayern Munich. Il a remporté 8 titres de Bundesliga et la Ligue des Champions avec son club de toujours. Mais il a pas commencé à gagner du mal avec blessure et il a pas vendu à Manchester United en 2015 par Pep Guardiola. Milieu défensif Yaya Touré, nous songe joué ça. Touré a souvent servi de doublure à Sergio Busquets sous l'ordre Guardiola dans Barcelone et il a pas vendu monsieur à Manchester City en 2011. Chaque fois que je lui demandais quelque chose, il donnait toujours des réponses étranges. Il m'a pratiquement ignoré jusqu'à ce que l'offre de City arrive. C'est ça que Yaya Touré lui-même l'a déclaré à Ona FM en 2011. Milieu défensif Toni Kroos, en pile monde remet jouer ça. Toni Kroos qui remporté 3 titres de Bundesliga et la Champions League 2012-2013 avec Bayern, mais lui-même n'est pas capable d'arriver qu'on entende avec coach là. Il a aidé l'Allemagne à remporter la Coupe du Monde en 2014. Après, il a pas rejoint Real Madrid quelques semaines plus tard. Et encore, c'est Ligue des Champions sous Ligue des Champions. Monsieur a pas remporté. Numéro 8, milieu défensif Rafa Márquez. Márquez a remporté 4 titres de Liga et 2 Ligue des Champions avec Barcelone. Mais ce jour, dans le Cagnon, a pas pris fin en 2010. Malgré signature d'un nouveau contrat de 3 ans. Et plutôt, Mexicain a pas libéré de son contrat et ensuite signé pour les Red Bulls en Major League Soccer sous ordre Pep Guardiola. Numéro 9, meneur de jeu Ronaldinho. C'était un des meilleurs joueurs mondiaux pendant 16 jours à Barcelone, mais son éthique de travail déficience n'a pas fait plaisir à Pep. Après qu'il ait fini de prendre le club là en 2008, Guardiola a pas le vendre brésilien. Nan Milan AC. Attaquant Titi Henry. Et Titi Henry, c'était un élément clé de la célèbre équipe de Guardiola qui a remporté le triplé 2008 en 2009 avant que M. Tabal parte dans New York Red Bull avec Rafa Márquez en 2010. Et puis le dernier, un joueur qui n'a jamais entendu avec Josep Pep Guardiola, c'était Zlatan Ibrahimovic. Zlatan était recruté par Guardiola en 2009. Cependant, relation entre coachant et joueur n'a pas détérioré et Ibrahimovic a pas transféré dans Milan AC après seulement 1 an en Espagne. Bon, c'est pour un pile monde, c'est très bonne nouvelle. Tandis que entraînement, comment s'autoriser entraînement pour reprendre, puisque nous commençons perdu dans le monde ça avec cette question de coronavirus. Voilà, ça a vu une cause que et football campé et des fois passer gâteau là, des couteaux jeune le week-end. En pile monde campé, il a pas assisté, il a regardé match. Et dire ou t'es gagné ou même qui t'es aimé football, ou t'es passionné ou même qui t'es aimé sport, ou t'es passionné de sport, hein? Mais qu'on y a pour voir que ou pas capable garder ou pas capable exercer. Par exemple hier et chaque dimanche matin, on t'est invité pour mal craser un bel football monde blanc, mais hier on t'a pas l'apprendre que elle arrivé très très loin. Comment faire que qui t'es pile mon apprend très sous parc là et pour maladie hein, et puis voilà passer nous l'autre puis dit à partir de hier dimanche là malgré l'équipe moi était perdu hier oui hier bah il était raide pour moi
Eh bien, finalement, on est que Jean Principe Landian, rete la kayo, rete la kayo, rete la kayo. Pablo pas sur l'autre radio, pas sur l'autre fréquence, radio Super Extra Unique FM 94.1 et puis émission c'est l'Unique Sport. Dans le moment qui n'a pas parlé. Paquet ancienne gloire cap disparaît là tout oui dans football là et gien Robert Erbin monsieur qui tombé là oui arrivé comme joueur dans les Forest à la de 18 ans parisien de naissance passé par Nice li écrit en tant qu'entraîneur dans les années 1970 les plus grandes heures du club stéphanois hommage il restera jamais le sphinx l'homme qui emmena un jour de mai 1976 une bande de copains jusqu'en finale de la Coupe des clubs champions. L'ancêtre de l'actuel est très lucrative Ligue des champions. Robert Erbin, li mouri jodian à 81 ans, hospitalisé au CHUV de Saint-Étienne depuis 21 avril. Il s'est éteint de complications à la fois cardiaques et pulmonaires. Comme dit Oni, il était en réanimation dans le service de cardiologie de Cécile Romeyer Bouchard. La fille de l'actuel président de l'AS Saint-Étienne, Roland Romeyer, monsieur a lui-même qui tombé là et lui-même qui mourit Robert Erbin, monsieur ça c'est une ancienne gloire comme un fait exprès, il étreint sa première tunique verte en championnat le 29 septembre suivant face à Nice, véritable force de la nature, Robert Erbin capable évoluer quasiment dans toute position. Même avançante, malgré une descente en deuxième division en 1962, il se taille un impressionnant palmarès en tant que joueur avec 5 titres de champion de France, 1964, 67, 69 et 70, et 3 Coupes de France, 1962, 68 et 70. Entre 1957 et 1972, il joue 492 fois avec Saint-Étienne, il inscrit 98 buts. Il porte également à 23 reprises le maillot des Bleus. Il est ainsi du premier championnat d'Europe de l'histoire organisé en France en 1960. Il participe tout à la Coupe du Monde 1966 en Angleterre. À 33 ans, il ne s'est jamais senti aussi jeune. Il était espéré encore poussé jusqu'à 35-36 ans. Mais Albert Batté, en conflit avec le président Roger Rocher, va quitter poste d'entraîneur lui à l'issue de la saison 1971-1972. Mais il était dû joindre un remplacement rapide. Rocher, qui voulait une grande affection pour Erbin, proposait le poste là. Je ne peux pas attendre. Lui souffle le boss. Si j'embauche un autre entraîneur, ce sera un homme de qualité et il restera au minimum 4 ou 5 ans. Pour toi, ce sera trop tard. Prends ta chance. Et monsieur a lui-même, il a pris la chance li, et à cette époque, côté lui-même, il a pris le fait en pile gros bagaille avec l'équipe à Saint-Étienne. Même capable de comprendre que il y a une grande victoire monsieur a été fait avec Saint-Étienne. Il était tombé 2-0 à l'aller. Saint-Étienne a pris le remporter 3-0 au retour. Après prolongation, le pays tombe amoureux de ses garçons ou flaquette et chevelon dirigé par un type qui semble rester pourtant totalement impassible face à cet incroyable engouement. Voilà, monsieur ça, il était relé le Sphinx. Mais là, c'est comme ça, il était surnommé monsieur Yan lui-même qui tombe aujourd'hui à l'âge de 81 ans.
connaît dans moment ça yo besoin pile l'argent pour capable gérer mon yo club yo surtout fédération yo et bien coronavirus l'UFA li débloqué 236,5 millions pour capable aider 55 fédérations membres yo l'UFA li annoncé jodi an versement de 236,5 millions d'euros à 55 fédérations membres afin pour capable aider au surmonter et bien là vraiment les difficultés liées à la pandémie de coronavirus et ça issu du programme Atric lancé en 2004 et permet pour soutenir des projets de développement du football dans chaque fédération programme ça doit permettre à l'UFA pour distribuer 2.6 milliards d'euros d'aide à fédération d'ici 2024 chaque dans 55 fédérations ça va recevoir 4.3 millions d'euros et est capable utiliser pour définir propre priorité pour faire face à l'impact négatif du coronavirus sur le football là à tous les niveaux afin de faire face aux conséquences de l'arrêt des compétitions l'UFA a également annoncé jeudi un versement anticipé de 70 millions aux clubs ayant libéré des joueurs pour les qualifications à l'Euro 2020 repoussé d'un an en raison de la crise du COVID-19 et la Ligue des Nations. FIFA a annoncé bon côté par le vendredi un versement par anticipation de 138 millions d'euros de subventions à ses 211 fédérations membres, soit l'ensemble des aides pour l'année 2019 et 2020, également pour lutter face à cette crise sanitaire. L'argent qui a débloqué et l'argent venu dans le pays par nos rentours. Bon, et fondant de Ronaldinho, puisque nous connaissons monsieur a fait plus passer un mois en prison. Monsieur a quitté confié là après qu'il fasse une sortie en prison. Star brésilien qui sorti de prison 7 avril dernier avec Frélan et il est depuis assigné à résidence à Asunción au Paraguay. Mais là Ronaldinho lui confié au journal local ABC Colol sous détention et a fait des faux passeports. Et dans bagaille il était méliant. On a dit qu'il a passé plus de mois derrière les barreaux paraguayens, emprisonné pour avoir fait des faux passeports paraguayens, alors qu'il a vu son passeport brésilien confisqué par la justice de son pays en 2018 et un possible lien avec une hypothétique affaire de blanchiment d'argent. Mais là, monsieur Ali même et brésilien finalement libéré sous caution. Et a signé à résidence dans l'hôtel d'Asunción au Paraguay. C'est là que monsieur a tabayé une interview avec média local ABC Color. On a dit qu'il a tourné sur carrière puis sur et façon qu'il était pour en prison, révélé que sa foi l'a aidé à surmonter ce passage compliqué. Je prie pour que tout se passe bien. J'espère que cela sera bientôt fini. Il a également réaffirmé que sa venue au Paraguay s'inscrivait dans un cadre tout à fait légal, lancement d'un livre ainsi qu'une opération promotionnelle. Il pas connaît que passeport paraguayen l'a été falsifié et nous avons été totalement surpris d'apprendre que les documents n'étaient pas légaux. Depuis, intentionnons toujours, c'est pour collaborer avec la justice pour clarifier quelques bagailles. Aller en prison, c'est un coup dur. Je n'aurais jamais imaginé que je sois dans une telle situation. La première chose que je ferai sera d'aller embrasser ma mère qui a connu des jours difficiles avec cette affaire de COVID-19. Et on a dû lui expliquer qu'il espérait qu'on y a, que justice paraguayenne t'a innocenté le plus vite possible pour capable aider rentrer au Brésil. Premier bagage qui m'a fait, c'est à embrasser ma maman qui connaît un paquet de jours difficiles avec dossier ça et COVID-19 là. Ensuite, ben là c'est pour le moment pour m'aller de l'avant. Épidémie COVID-19 là retardé d'ailleurs toujours pour ces Brésiliens puisque activité judiciaire dans le pays a été campé. Enquête là capable durer 6 mois, mais deux frères capables et en liberté conditionnelle dès que pays a repris activité. Interrogé par l'AFP,
procureur en charge affaires Alicia Saprissa li montre très sévère à l'égard des deux frères. Mais là dans notre téléphone yo nous analyser nous joindre des conversations frère Roberto hein, et frère Oladinho hein, côté et la parler de documents yo Oladinho ne pouvait pas ne pas savoir il ne peut pas plaider la bonne foi semblait dossier lui-même l'a toujours compliqué pour Ronaldinho Gaucho et gen Diego Maradona qui volait au secours de Messi pour dire monsieur a lui-même li pa yon criminel on a dit pas criminel sept mais gon grand frère ça dans tout vieux dossier de bois château ça ou déjà en bas mais la justice qui est sous liberté provisoire mais il est obligé mettre au nom hôtel parce que pour qu'on gagne qui reprendre la justice pour qu'on reprendre rien dans pays dit qu'il on nèg qui était arrêté au carton jusqu'à 6 mois avant bagaille même yo reprendre grâce à dinex ça c'est superstar yo mettre au dehors mais yo sous contrôle la justice Italie, deuxième pays, reprend entraînement collectif. Giuseppe Conte, chef du conseil italien, a annoncé hier dimanche que le club est capable de reprendre entraînement collectif en 18 mai, soit plus de mois après l'Allemagne. Ils n'ont pas de plus vers la reprise des matchs, même si pour gagner, qui parlait et pour les championnats à reprendre. Mais là, joueurs ont attendu ça depuis plus de 40 jours. Entraînement collectif yo pa capable reprendre en série A mais attendant là à poursuivre toujours un peu puisque date et qui était par gouvernement italien c'est 18 mai entraînement individuel yo capable commencer dès le 4 mai mais respect conditions sanitaires yo et à huis clos bien sûr italien capable deuxième à reprendre l'entraînement après club allemand qui rejoint chemin et en depuis avril en France question à poser toujours après que ministre sport Roxana Maracino et nu il y a annoncé que sport li pas prioritaire et ben là dans stratégie de confinement gouvernement avant après il t'a pas précisé qu'il pensait et lui même c'est pas pour quelques jours après et ben là et reprise là pas fait et n'aura lieu c'est après 11 mai et ben la date yo programmée pour déconfinement de toute façon si annonçant li marqué on pas de plus vers un possible reprise football là dans série A Giuseppe Conte li bien précisé pour qu'on gagne qui décide et ben là de ce côté-là Gabriele Gravina patron de la Fédération italienne t'a indiqué dans le commencement mois que le championnat capable terminer vers septembre voire octobre série A ne pourra de toute façon pas recommencer avant juin ne serait-ce vis-à-vis de l'état de forme des joueurs qui pourraient sortir de deux mois d'inactivité relative à la reprise de l'entraînement après 26e journée et série A capable une course passionnante en Juve leader Lazio Rome qui deuxième et qui ne sont séparés qui par un point en bas Brescia lanterne rouge avec 16 points et Spal 19e avec 18 points semblait presque condamné alors que Lecce, Genoa, Sampdoria, Torino et l'Udinese et même yo juste kembe et pour 3 points en l'air Italie sévèrement touchée par l'épidémie de coronavirus mais là c'est 198 000 cas confirmés pour 26 644 monde qui mouri depuis commencement crise sanitaire malgré un nombre de contamination globalement en baisse mais Italie toujours été Jean Deyan et bien plus passé 26 000 monde déjà parti pour pays sans chapeau Eu quero... Que a galera
big up Dao, ça qu'a fait Dao, m'a nous mettait depuis les États-Unis. Yankee, ça gagne la zone Isma Johnny et Agonom Richmond, John. Adelus Berlin, Fago, Jordan, Autriche, BDG Fertile, Bickenson, Patrick Venet, Ruben, JF, Gisson François, en pile monde, Watson Destiné, et tout net qui connecté émission 1, qui c'est l'Unix Sport. Jouf et Inter Milan, et bien Juventus même la chercher les pets toujours. Et yo mêlé dans dossier Cavani. Cavani, li séduit l'Italie. Ça et à ma vie qui capable quitter Marseille ou Monaco qui pas prêt pour lâcher Ben Yedder. On découvre info transfert jeudi lundi 27 avril 2021. Mais là, et option est multipliée pour avenir Edison Cavani depuis quelques jours. Presse française là fait état d'une possible prolongation de contrat de attaquant Paris Saint-Germain à laquelle joueur t'a ouvri à ça, mais hier dimanche là Foot Mercato est à ce que Newcastle fraîchement racheté par un fonds d'investissement saoudien et ben là t'a afflué pour Higuain 33 ans. Jeudi lundi Sky Sport Italia lui rapporté que futur Gonzalo Higuain à la Juve s'écrit en pointillé, buteur argentin 32 ans, lié au Turinois jusqu'en 2021, et même lui-même n'a pas gagné faveur dirigeant yo. De plus, grave maladie maman en Argentine capable jouer sous direction pour prendre et capable prendre dans carrière monsieur. Juve capable voir Cavani comme un bon remplaçant à Higuain. Mais encore, ne faut-il pas que l'Inter Milan la devance dans la dernière ligne droite. Selon la Gazzetta dello Sport, et bien la Nerazzurro a proposé Cavani par entourage monsieur Higuain, l'ancien grand fan entraîneur italien Antonio Conte. La partie d'échec ne fait que commencer pour Cavani. Mais là vraiment, des fois, là, tout le monde a demandé pour comme ça, ou il doit mourir dans le poteau. À ma vie et ça, Marseille font des envies, plongé dans une inquiétante situation économique. Olympique de Marseille sera contraint de vendre cet été, d'après l'équipe, des joueurs particulièrement la côte sur le marché. Jordan à ma vie et Bounassa, premier, unique latéral gauche Olympique Marseille, t'a en fin de contrat dans un an et il n'est pas entamé de discussion pour le prolonger. Évalué à un peu près de 10 millions d'euros, à ma vie 26 ans, t'a mérité puisqu'il l'a attaché à Marseille, mais il fait plaisir en Angleterre. Concernant Bounassa, FC Séville montre particulièrement fouillante. Latéral doit 28 ans, qui est lié à l'Olympique Marseille jusqu'en 2022. T'a observé la par West Ham United, Everton et Wolfsburg, Wolfsburg, entre autres. Commencement mars, André Villas-Boas lui-même. Italien monsieur a yon lot importance encore boisien peut-être l'année prochaine comme capitaine. Ben là comme monsieur a en vérité, mais c'est pas monsieur a n'a parlé de à ma vie qui en vérité dans Marseille et si meilleur prix similaire à celui d'à ma vie monsieur a capable vendre tout pour 10 millions d'euros et moyen capable pousser équipe Marseille là vendre des joueurs ça yo. Monaco li inquiété pour et pour le taper dit Ben Yedder, récemment Ben Yedder est risqué pour quitter AS Monaco un an après arriver selon l'équipe. Attaquant français 29 ans, auteur de 18 buts en Ligue 1 saison ça, lui évalué à près de 40 millions d'euros pour club lien et prétendant être capable en pile dans prochain mercato. L'AS Monaco 9e dans le classement, li pas envie pour le jouer à partir, mais yon non participation à la prochaine Ligue des Champions capable peser lourd. Quotidien français a précisé que vice-président monégasque Oleg Petrov l'a négocié yon baisse des salaires pour anticiper conséquences crivlan et crislan et qui gain pour venir et espérer que monsieur Saar lui-même il n'est pas obligé vendre Ben Yedder puisque contrat monsieur Yan lui étant jusqu'en 2024. N'a oublié monsieur le Samuel Umtiti. Samuel Umtiti est
pas ta dwe kite Catalogne pour nap ete ça défenseur français 26 ans en difficulté saison ça avec Barcelone ta troché pour club italien d'après la Gazeta dello Sport n'a pas ta vle préparé après Kalidou Koulibaly mais ta jeté plutôt sur défenseur ça défenseur fribourgeois Robin Koch 23 ans mois dernier Sport a fait déjà état d'un souhait Barcelone pour vendre Umtiti sous contrat jusqu'en 2023 club ça yo les achetons jouer yo blindé jouer le Barça est plutôt là j'ouvre qu'à le Barça et City pour De Ligt et Bonucci Juventus en l'éclair selon la Corriere dello Sport sa charnière centrale pas bouger était ça Mathis De Ligt qui t'a étardé pour la date à Turin après une grosse saison à l'Ajax et mais là il fait plaisir à Barcelone mais c'est un nom ferme de la Juve pour défenseur néerlandais 20 ans qui signe un contrat de 5 ans en 2019 c'est même gentil pour Leonardo Bonucci 32 ans les mêmes qui lié au Bianco Neri jusqu'en 2024 Italien capable yon si priorité pour Pep Guardiola et Manchester City mais ni Juve ni Bonucci yon pas envie yon transfert et la monsieur régulièrement composé charnière centrale turinoise saison ça en l'absence d'Itolier Giorgio Chiellini et Chiellini 35 ans qui reprend les de rupture du ligament croisé du genou droit ah et Barcelone avec City bon c'est que ça a vrai la difficile Arsenal t'a refusé prétention salariale d'Aubameyang Gunners yo t'a metté fin à négociation avec Pierre-Emerick Aubameyang pour prolongation contrat monsieur cap couru jusqu'en juin 2021 selon Demirol Gabonais qui gagne actuellement là près de 800 000 euros par mois t'a montré le trop gourmand pour club londonien yon indice de pluie qui laissait penser qui avenir Aubameyang Arsenal les mêmes li capable prendre fin était ça attaquant 30 ans suivi par plusieurs gros clubs dont l'Inter le Barça Manchester United dans Real et Chelsea et bien là peut-être monsieur ça les mêmes li capable aller dans une gros équipe ça yo n'a toujours été dans dossier transfert échange en Pogba Rabiot Thiago Silva vers une prolongation mais est-ce que bagayo et depuis monsieur a fini quitter des monsieur a lui-même li fini quitter n'a parlé là et OK mais là des monsieur a fini quitter Paris Saint-Germain bagayo t'a semblé pas bon pour lui l'aller dans Juve yo pas trop mettre le jouer mais qu'on y a là yo même pensé un échange pour Adrien Rabiot